Bonsoir, dernière édition de la semaine de votre journal quotidien. Nous allons faire le point sur la formation locale de ce 6 octobre. Voici les principaux titres en images. La semaine bleue dédiée aux seniors se poursuit à La Verrière et ce sont les plus jeunes qui viennent de s'essayer à un simulateur de vieillesse. Attrape la compagnie Déclic Théâtre prépare la deuxième édition d'Impro Family. Ce sera le premier match de la saison avec des comédiens professionnels. Rendez-vous samedi 8 octobre à La Meurise. Et puis, la balade du goût fête ses 20 ans. Près de 100 fermes ouvrent leurs portes ce week-end, notamment celle de Champ-Garnier, aux portes justement tout près de Saint-Quentin en Yvelines. On ouvre ce journal avec une bonne nouvelle pour les utilisateurs de la piscine des Clés sous bois. L'établissement Salvador Allende, fermé après la découverte de traces de légionelles dans les canalisations des douches, va pouvoir ouvrir à nouveau ce samedi. Les travaux de décontamination étant terminés, cet équipement intercommunal ouvert en 1973 accumule néanmoins les problèmes. Découverte de bactéries dans les bassins avant l'été, rupture d'une canalisation en août. Écoutez Serge Renard de l'agglomération de Saint-Quentin, c'est au micro de Patrick Jacques de Dixmude. La légionelle est une bactérie qui est uniquement dans la vapeur d'eau des douches et absolument pas dans les bassins. Donc il n'y a aucun risque à se baigner. Elle est présente de toute manière partout dans les canalisations d'eau froide, y compris dans les logements. Et elle n'est absolument pas dangereuse lorsqu'elle est bue, puisqu'elle est détruite par le système digestif de l'estomac. Par contre, si elle est inhalée lors d'une douche, par exemple, effectivement, elle peut provoquer des maladies qui rappellent les symptômes grippaux et qui peuvent être très graves. D'où l'intérêt pour nous, évidemment, d'offrir un équipement le plus sûr possible à la population. Il n'y a absolument aucun risque dans la piscine. La piscine est chlorée. On se plaint d'ailleurs souvent de l'odeur de chlore de l'eau de piscine. Eh bien, c'est en fait un signe de bonne hygiène de la piscine. Et effectivement, il n'y a aucun risque à se baigner. Et désormais, il n'y a plus aucun risque non plus à prendre des douches puisque nous venons d'installer des systèmes sur les douches qui bloquent les bactéries grâce à des filtres. Favoriser le lien entre les générations, rompre l'isolement également des personnes âgées. Cette semaine est organisée la Semaine Bleue à La Verrière. Une série d'animations et d'ateliers prévus jusqu'à la fin de la semaine. Et notamment ce simulateur de vieillesse, vous allez le voir, pour comprendre les difficultés des plus anciens. Reportage Camille Lambert et Nicolas Kirilovitz. Marcher comme une personne âgée à seulement 13 ans, l'exercice est difficile mais relevé par Idrissa dans le cadre de la Semaine Bleue à La Verrière, au programme un parcours et des obstacles pour se mettre dans la peau d'un ancien et comprendre ses difficultés au quotidien. Là c'est pour voir les handicapés, qu'est-ce qu'ils voient les handicapés et qu'est-ce qu'ils ressentent. C'était difficile. Ouais, pourquoi? Parce qu'en fait il y avait plusieurs obstacles et après à chaque obstacle, là on devait soit monter son pied. Et son pied, il avait des poids. Comme Idrissa, les jeunes de la ville participent toute la semaine à différentes animations, toujours en binôme avec un senior, groupe de parole, simulateur de vieillesse ou encore goûter philo. L'objectif est de favoriser le lien entre les générations. Tout le monde a un peu peur les uns des autres. Les jeunes ont un peu peur des vieux, les vieux ont peur des jeunes. Et au bout du compte, on n'avance pas beaucoup. Alors que finalement, je pense qu'en effet, un jeune qui va chercher la baguette de pain, s'il connaît que sa voisine à l'étage, elle a du mal à marcher, peut-être qu'il pourra penser tout seul, dire « Oh, bah, peut-être que Madame Intel, elle a besoin de pain, je vais les lui proposer, je vais chercher mon pain, je vais lui chercher le sien. » On y arrivera peut-être un jour. La Semaine Bleue à La Verrière se clôture vendredi soir avec la projection du film Le Nouveau Stagiaire, une histoire dans laquelle Robert De Niro, retraité, décide de retourner dans le monde du travail, entouré de jeunes collègues. Quel effet ça vous fait ? Après plusieurs années de discussions et plusieurs mois de travaux, le Secours populaire des Yvelines à Versailles inaugure enfin ses nouveaux locaux. Un événement attendu aussi bien par les bénéficiaires que par les bénévoles. L'ancien local était jugé trop petit, trop vétuste en d'autres termes. Reportage à suivre pour mieux visiter ces locaux qui seront inaugurés vendredi. Les murs étaient entièrement recouverts de moquettes, d'une moquette orange mais sale. Et le plafond était peint en marron. Presque noir. Sombre, trop petit, les locaux du Secours populaire de Versailles avaient besoin d'un coup de neuf. Après 6 mois de travaux, les bénévoles viennent de finir d'installer le vestiaire, un lieu aux allures de petite boutique qui correspond mieux aux demandes des bénéficiaires. C'est très difficile pour ces personnes et arriver dans un lieu qui est austère, antipathique, presque insalubre, c'est pas digne, ce n'est pas respecter leur dignité. Donc vraiment, nous, notre souci, c'était d'abord l'accueil. Un accueil plus moderne, mais aussi plus chaleureux. Avant, les bénéficiaires attendaient sur des chaises dans ce couloir. Avec l'aide de la mairie, le Secours populaire s'est doté d'un nouveau pôle alimentaire qu'il a voulu colorer, inspiré des salons de thé.
En comptant les deux locaux, 113 mètres carrés ont été entièrement refaits par une quinzaine de bénévoles de l'antenne. Toutes les peintures, les enduits, la réfection du sol. On a des projets, maintenant qu'on peut accueillir des familles, et on a des projets de goûter lecture. Voilà. On a parmi nos bénévoles une institutrice qui se propose de faire un jour un atelier conte. L'inauguration officielle de ces nouveaux locaux se tiendra vendredi 7 octobre. 5000 euros ont été nécessaires pour réaliser ces travaux financés par les dons. La structure s'occupe de 250 familles inscrites. L'an dernier, elle a distribué 3900 repas. Nous passons à présent à une page culture avec la deuxième édition de Trap Impro Family lancée par la compagnie Déclic Théâtre. Et pour nous en parler, Mélanie Poquet. Bonsoir Mélanie. Bonsoir. Deuxième édition de cette opération Trap Impro Family. C'est ça. On remet ça. C'est pas de moi, je vous assure. C'est le slogan donc, de cette deuxième édition. Alors, c'est samedi soir à la Meurise, 12 joueurs. Deux coachs, trois arbitres, quatre musiciens, AMC. Vous allez me dire, Wilfried, en fait, c'est la recette traditionnelle d'un match à pro. Mais la différence réside dans le titre. Le mieux, c'est quand même d'écouter Nourel Yakin-Louiz, c'est le responsable du secteur improvisation de la compagnie, et il nous la présente cette soirée. C'est les comédiens de Déclic Théâtre d'aujourd'hui et d'avant. Et les cousins, les amis, les cousins des autres ligues, je dirais, qui viennent enrichir un petit peu notre casting local. Donc l'idée, c'est d'avoir des membres des joueurs des Épices, de l'équipe de Trap, mais aussi des comédiens de Paris Impro, de la LIFI, d'autres ligues parisiennes, et qui sont pour beaucoup, qui ont pour beaucoup fait leurs armes, à un moment ou à un autre, ici à Trap ou à 50 ans en Yvelines. Et parmi ceux d'avant, des noms qui parlent, Issa Doumbia, je pense qu'on a même pu à le présenter. Issa Doumbia qui a su se faire sa place, effectivement, sur le plan national. C'est ça, Virginie Gritten, Jenny Ann Walker seront aussi présents, Julie Galibert, Laurent Mazet, Thierry Bilisco et bien d'autres. Pas tous les noms, hein, on laisse un peu de surprise aussi. Des comédiens dont certains ont été champions du monde, ou qui le seront plus tard, on ne sait jamais. D'autres qui jouent dans des comédies musicales, des champions de beatbox, des champions de France, des chanteurs. Il y a de quoi faire. Mélange de discipline et de talent, forcément ce sera d'un haut niveau. Nourel Yakin me l'a dit, c'est la réalité de l'impro qui pourra le dire. En gros, tout est question d'inspiration en fonction du thème donné, on ne sait jamais. Mais oui, en effet, Wilfried, ça devrait assez vite être sensationnel. Et en général, le public à la Meurise le rend bien aux comédiens. Écoutez. L'improvisation, ce qui est bien, c'est qu'on répond aussi au public que l'on rencontre. Donc forcément, on s'adaptera et les gens sauront s'adapter. Et puis Trap, c'est un peu une capitale de l'improvisation en France. Hein, donc les gens savent que quand ils viennent à Trap, ils vont rencontrer un public qui connaît l'improvisation, qui a une vraie culture de l'impro. Et du coup, ça ne peut être que positif. La deuxième édition de Trap Impro Family, rendez-vous samedi 8 octobre 20h30, ce sera à la Meurise. Les renseignements, le détail sur le site internet de la Meurise, lameurise.com. Merci Mélanie. Culture toujours avec vendredi dernier à la batterie à Guyancourt, l'ouverture de la saison. C'était en présence de Green Sémé. Vous avez pu le découvrir brièvement hier dans notre édition du 7-8 Culture. Je vous invite dès à présent à vous rendre sur notre site internet pour découvrir l'intégralité du reportage consacré à ce groupe. Du 10 au 16 octobre, c'est la semaine du goût. 7 jours de rencontres entre les professionnels de la terre et le grand public. Elle se clôture chaque année avec une balade du goût près de Saint-Quentin en Yvelines. La ferme de Galie vous accueille, mais aussi la ferme d'élevage de Grand Maison à Chevreuse et puis celle de Champgarnier au Ménil-Saint-Denis où nous nous sommes rendus. Didier Demuy est agriculteur depuis 1984. Avec son épouse et son beau-fils, il s'occupe d'une exploitation de 190 hectares. Principalement, ce sont des céréales, c'est-à-dire dans la région, on cultive surtout du blé, de l'orge, du maïs et un peu d'oléagineux, c'est-à-dire colza et févrole. Culture céréalière, mais pas seulement. À la ferme de Champgarnier vit un troupeau de 25 têtes, dont 13 vaches allaitantes. Aujourd'hui, on fait un peu de diversification, puisqu'on vend notre viande au grand public, sous forme de colis, et ils viennent chercher leur viande à la ferme, ce qui a un cachet très intéressant pour des citadins. Dans la région, on est très peu, on n'est plus beaucoup à faire de l'élevage.
Et il reste encore des Mohicans, on va dire. Didier Demuy et son épouse vous feront découvrir leurs activités, goûter les produits issus de leurs troupeaux et même participer à des balades à Dodane. Ils vous attendent le samedi 15 et le dimanche 16 octobre dès 10h. Merci de nous avoir suivis tout au long de la semaine. C'était le dernier journal aujourd'hui, jeudi. Demain, vendredi, ce sera l'hebdo avec Nicolas Kirillovitz. Retour sur ce qu'il ne faut pas, ce qu'il faut retenir plutôt de l'actualité, ce qu'il ne fallait pas manquer. On se retrouvera lundi, quant à nous, pour un nouveau journal. Très bon week-end.